La libération de 26 prisonniers palestiniens est en cours en Israël. Ce sont les premiers à être relâchés sur les 104 libérations promises. Elles doivent se dérouler en 4 fois, selon le rythme des progrès enregistrés lors des pourparlers de paix qui doivent reprendre ce mercredi. Une plainte avait été déposée par des parents d'Israéliens victimes de ces prisonniers. Elle a été rejetée mardi par la Haute Cour de justice. Le secrétaire d'État américain John Kerry a assuré mardi que le président palestinien Mahmoud Abbas est engagé à poursuivre les négociations de paix avec Israël, malgré le feu vert donné mardi à la construction de 942 logements à Jérusalem-Est annexée. John Kerry a précisé que Washington considérait illégitimes ces implantations. L'annonce de ces nouvelles constructions a provoqué la colère des Palestiniens à la veille de la reprise des pourparlers.